côté Coé, c'est bien le voir, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Dis un mot, parle. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastoufinette? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu Alexia au standard qui veut absolument te parler. Où est Alexia? 11. Elle est là. 11, ligne 11. Alexia, on dirait que c'est la RATP. Ligne 11, monsieur. Vous allez ligne 11, merci. Alexia? Allô? Oh. Alexia? Oui. Comment ça va, ma petite Alexia? Très bien. Oh, mais qu'est-ce que elle c'est est que trop c'est... mignonne. Qu'est-ce que c'est que cette petite voix? Je dirais que tu as 9-10 ans, moi. Il y a mon frère qui vient me débarquer. Ah, c'est mince. Pas vrai, mais il va venir t'embêter, celui-là. Il peut pas nous laisser tranquille. Attends, Yannick. Yannick? Yannick, c'est un prénom de vieux quand même, hein, à moins que vous soyez en Bretagne. Tu habites où, Alexia? J'habite à Saint-Pré-sur-Seine, dans l'Essonne. D'accord. Et ton frère, il a quel âge? Mon frère, il a 12 ans. Un vieux? Ah oui. Un vieux alors, c'est un grand. Oui, et moi ce week-end je vais avoir 10 ans et j'aimerais trop aller au studio avec vous. Oh, t'es trop mignonne, mais, ma puce. Mais alors, mais quand? Quand est-ce que tu veux venir t'es avec en, nous? T'es en vacances ou pas? Non, ah, mais pour les vacances de fin février, je serai en vacances, oui. Et t'as cru qu'avec ta petite voix on allait dire oui, là t'allais pouvoir jouer avec ça? T'as cru que t'allais nous avoir au sentiment? Bah non, ah, mais il faut que tu demandes à tes parents alors. Bah oui, je les supplie jusqu'à ce qu'ils disent oui. Elle supplie jusqu'à ce qu'ils disent oui. Mais moi, ce serait ma fille, elle me supplie sur ce ton-là, mais je dis oui. Hein. Bah oui. T'es trop mignonne. Tu résistes approximativement 1 seconde 30. Mais grave. Attends. Yannick, arrête de faire chier, Yannick, c'est bon maintenant. Hein. Tu veux... Et je vais vous le passer, puisque je suis à moitié en train de pleurer. T'es à moitié en train de pleurer, pourquoi mais pourquoi? Pourquoi t'es à moitié en train de pleurer? Non, mon frère. Ah, lui. Et pourquoi il pleure? Parce qu'il est trop content, parce qu'il vous a jamais eu énergie, et puis je suis la première dans la famille à vous avoir. Oh. Ah, ça se fête, champagne. Non, t'as 12 ans, champomy. Passe-moi ton frère, 2 secondes. Tiens, Yann. Allô? Yannick? Oui. Ça va, c'est Coé? Oui. Ça va, t'es en forme? Je vous entends la radio. Bah, c'est normal. Bah oui. C'est normal, jusque-là, tout va bien. Ça va, t'es en forme? Oui. Bon, on te fait un gros bisou, Yann, d'accord? Bisou, Yann. Tu viendras, si ta sœur, elle vient, tu viendras nous voir aussi? Oui, bah oui. Ah, je sais pas, ça dépend des notes. Ça dépend des notes. Faut demander à vos parents. Ils sont comment les... Ah, on va demander aux parents, on va essayer de dealer ça, on va essayer de dealer l'histoire. Repasse-moi ta sœur. Salut, Yann, à bientôt. Salut, mon pote, à bientôt. Ils sont trop mignons. Allô? Allô? Tu veux pas que je demande à ta mère? C'est qui le plus cool, ta mère ou ton père? Mon père, il est plus dans la maison, en fait. Il est parti, et puis je le vois que le week-end. Bon, alors on va faire plus simple, on va demander à ta mère. Elle est cool, ta mère, ou pas? En fait, elle voulait pas trop qu'on appelle. Ah. Mais tu sais quoi? Je vais dire que c'est moi qui ai appelé. C'est quoi? Maman, elle croyait que c'était payant. Ah non! Ah, mais non! L'émission! Oui, de téléphoner. Tu veux... non, ah, de téléphoner, ça, non. Ça, non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Tu veux que je lui parle à ta mère? Oui. Passe-la-moi. Tu viens avec moi, Yann. Non. C'est énorme. Elle a croqué. Tu viens avec moi, Yann. Genre, c'est l'expédition. Maman, l'émission de Corée, on va appeler. C'est gratuit, par contre. Allô? C'est la cuisine de Jean-Paul, allô ou pas? Allô? Oui. La maman, bonjour, c'est Coé, comment ça va? Ben, ça va. J'ai appelé, c'est gratuit, tout va bien. Oui, oui, non, mais... Bon, et la maman, c'est l'anniversaire de votre fille ce week-end? Oui, c'est dimanche. Et elle a dit que son gros cadeau, ce qui lui ferait le plus plaisir, c'est que vous veniez au studio. Ah bon? Oui. Ah, ça fait des économies déjà. Eh ben, moi, je vous invite à venir au studio quand vous voulez. Ah, d'accord. Aux prochaines vacances scolaires, machin et tout, bim, on va rester en contact. On va rester en contact avec vous et vous venez nous voir au studio et on installe la petite, on installe Yann au premier rang et vous serez avec nous. Ok, d'accord. Ben écoutez, très bien. Mais ben, c'est promis, elle écoute votre émission tous les soirs en dormant. Mais c'est bah oui. Enfin, j'espère qu'elle ne dort pas tout le long quand même. Mais, non, quand même pas. Ah, c'est l'émission de Coé. En fait, c'est qu'elle entend Coé, elle s'endort. Ouais, arrêtez. Par contre, vous me promettez que vous venez, vous l'amenez. Ah oui, venez. Hein. Il n'y a pas de souci. Bah dites-lui alors. Je le ferai. Attends, on va lui dire. Dites-lui. Ah bah là, elle est super contente. Là, déjà que vous avez appelé, elle est toute tremblante. Hein. Bah alors maintenant, elle va limite pleurer. Bon. Alors repassez-la-moi. Je vous fais un bisou, maman. Ok. À bientôt. Je vous la passe. Elle est sympa, la maman. Elle est très bien.
Allô ? Allô ? Alexia ? Hey, Alexia, c'est réglé. Oui. Aux prochaines vacances, tu viens nous voir. Oui, on va aller voir. Oui, maman. Maman, elle a quoi? Dit oui. Comment ? Elle, maman, elle a dit oui. Oui. Donc, ça veut dire... Donc, ça veut dire, ma chérie, avec ton frère, aux prochaines vacances, vous êtes avec nous. Ah, bah, pleure oh, pas. Mais pleure pas, ma puce. Tu vas venir faire de la radio avec nous? Oh. So cute. Mais pleure pas. Pleure pas, pleure pas. J'ai juste pour pas pleurer. Faut pas pleurer. Elle va tous nous pleurer. Arrête, demain, en plus, les mecs dans les journaux vont dire quoi, il fait pleurer les enfants. Arrête. Bah oui, mais non. Non, d'accord, je te fais un gros bisou et tu seras avec nous après les vacances, d'accord? Bisous. Bisous ma chérie, prochaine vacances, t'es là, je t'embrasse fort, je te repasse Stouff au standard.